Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Les nouvelles du front. Et une rumeur, une autre tout aussi persistante, qui fait part d'une grave détérioration de l'état de santé de Bouteflika. En fait, de nombreux observateurs du microcosme politique algérien, comme on dit, pensent que c'est une intox, une autre, distillée par le frère de Bouteflika. Comme à chaque fois d'ailleurs, à chaque fois que les gens commencent à se demander qui dirige vraiment ce pays, alors une rumeur sort et tout le monde commence à spéculer. Et hop, on nous ressort le grand invalide bien pomponné, shooté aux corticoïdes qui reçoit les habituels lécheurs de vaisselle qui viennent faire semblant de lui tenir le crachoir en échange de je ne sais quoi. Terminus, tout le monde descend. L'option Chakib Khalil, président, a finalement été jetée à la poubelle. Trop gros pour passer. Encore plus gros que le quatrième mandat pour un invalide, c'est dire. Joseph Guedd, si ça vous dit. Le directeur général de l'opérateur téléphonique Ouridou est appelé à d'autres fonctions. Mission accomplie pour lui. Il a fait de cette boîte, qui n'était rien, en Algérie, le premier opérateur téléphonique mobile du pays pour le seul deuxième trimestre 2016. 3 mois. Il a fait engranger à sa société pas moins de 250 millions d'euros en un trimestre. Cet homme est devenu un des patrons de la presse. Vous me direz, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est l'un des patrons de la presse. Et il est même incontournable au point de décider de certaines lignes éditoriales, puisqu'il était devenu l'un des principaux pourvoyeurs de publicité. Et il avait donc acquis par la force des choses un véritable poids politique. Et on dit qu'il avait son mot à dire dans certaines prises de décision politique. Voici ce qu'il dit, ou ce qu'il a dit plutôt, entre autres généralités, à l'occasion de son départ. Ces succès ont été atteints grâce aux employés d'Ouridou, de ses clients, ainsi que de la glorieuse nation algérienne. L'Algérie est un grand pays, stable et accueillant pour les investissements internationaux, et je n'ai aucun doute pour le futur et les grandes réalisations à venir dans le pays. Fin de citation, et patati, et patata, et à bon banania. Ils ont beau colmater les brèches, de plus en plus béantes, c'est plus possible. C'est panique à bord, le manque de rentrée d'argent frais couplé à l'incompétence crasse du régime d'Alger commence à se faire sérieusement ressentir. Les coupes sombres pour toutes les grosses dépenses sont à l'ordre du jour maintenant. Et là, la décision a été prise, qui ne sera plus rediscutée. Réduction drastique des importations de véhicules. Cette fois-ci, c'est bon, c'est fini. C'est une réduction vraiment très importante. Et sur le bureau, examen très poussé des perspectives pour une augmentation substantielle du prix des carburants. Le manque de précipitation, la pluie, ajoutée à l'incompétence habituelle des pouvoirs publics, ajoutée à l'envasement de la plupart des barrages algériens, ajoutée au rabattement considérable des nappes phréatiques, a entraîné de graves pénuries d'eau potable dans plusieurs régions de l'intérieur du pays. Voilà. Aujourd'hui, comme chaque samedi, nous survolerons les points les plus saillants de la semaine passée. Nous évoquerons donc la décision du Conseil d'État français sur l'interdiction du burkini dans les plages. Nous parlerons du pavé dans la mare de la corruption et de la gabegie lancée par le ministre du Tourisme qui nous fait découvrir l'ampleur des dégâts commis entre autres requins par son prédécesseur, le bien nommé Roule. Et enfin, nous essaierons de comprendre si la sécheresse dont commence à souffrir l'agriculture et la population est aussi grave qu'annoncé. Selon certains spécialistes, cette sécheresse
serait la pire jamais connue depuis un demi-siècle. Aujourd'hui. Le Monde. Burkini, une victoire de l'état de droit. Le Soir d'Algérie. Nouri n'hésite pas à parler de crimes. Scandale au parc Dounia. TSA. La production algérienne de céréales en forte baisse à cause d'une sécheresse inédite depuis 50 ans. Par Nasreddin Ben Kharef. Avec nous aujourd'hui, Sofiane Benagila, ingénieur agronome et défenseur des droits de l'homme à l'Arwat. Abdelaziz Chambi, coordination contre l'islamophobie en France et qui nous parlera aujourd'hui depuis la Tunisie où il se trouve en vacances. Et Faisal Mattaoui, journaliste qui nous parlera depuis Alger. Sofiane Benagila, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Misal khair alaykoum. Misal khair. Alors, comme vous êtes ingénieur agronome, nous allons donc commencer par parler de cette fameuse sécheresse dont on vient de nous dire qu'elle serait la plus grave jamais observée depuis 50 ans. Oui, peut-être, je ne sais pas, il faut arrêter les chiffres. Mais en tout cas, on est rentré dans un cycle où la sécheresse ne va plus être à une conjoncture, mais ça va être une structure. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un cycle de sécheresse permanent maintenant, et dû au changement climatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'après les relevés qui ont été faits en Algérie depuis donc à peu près 1930, quand il y a un degré de plus au niveau de la planète, ça a fait du double ici. Et il y a des endroits où ça fera du triple, et il y a des endroits où ça fera du 4 fois plus. Et donc les répercussions en termes de rendement, de manque de pluie, etc., ça va être la catastrophe. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de barrage envasé au niveau de tout le territoire? On nous dit que tous les barrages, ou presque tous, sont envasés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, nous en Méditerranée, c'est un climat, donc le climat méditerranéen se caractérise par des pluies dites torrentielles, etc., etc. Donc qui charrie énormément de terre quand les terres sont à nu. Et donc il y a cette histoire d'érosion qui est très très importante et qui ne l'est pas depuis aujourd'hui, qui l'est depuis que l'homme a commencé à exploiter ces terres-là. La première agression massive qui s'est faite sur ce territoire, elle a été faite à l'époque des Romains, quand on a commencé à faire de la Numidie un grenier pour Rome. Et ça a été la déforestation massive. Et ça n'a pas arrêté la décadence jusqu'à maintenant. Actuellement, on estimait les années 50 à 40 000 hectares qui étaient perdus chaque année par érosion. C'est donc 40 000 hectares. Non, ça c'était les années 50. D'accord. Maintenant, on estime à 400 000 hectares qui sont 400 perdus. 400 000 hectares par an ou quoi? Oui, mais ce n'est pas des terres nécessairement agricoles, hein. C'est 400 000 hectares pour tout. Hein. Et donc au nord, on a plus l'érosion hydrique, c'est celle qui domine le plus. Et au sud, on a donc un peu, la steppe, c'est l'hydrique et la pluviométrique, et le sud, c'est essentiellement éolien. Et donc les barrages, s'il y a une déforestation, tout le bassin versant, s'il n'est pas bien aménagé, il est normal qu'il s'envase. Ça veut dire que ce sont les sols qui sont entraînés par les eaux de pluie vers le barrage et qui vont boucher le barrage. C'est ça, en gros. Et je vais vous dire une chose. Quand on dit les sols partent, nous sommes l'un des pays qui perd le plus de sols actuellement dans le monde. Et nous, Haïti, Madagascar, des pays comme ça. Et vous savez qu'un sol, une terre fertile, quand elle est perdue, si vous regardez les paysages du côté de Constantine et tout, vous regardez les terres qui sont labourées, vous regardez
les pierres qui se mettent à fleur, et vous imaginez donc la couche de sol qui est perdue. Il y a les barrages, il y a les nappes qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont surexploitées, et puis il y a cette histoire d'eau salée qui rentre, qui remplace l'eau douce sur les côtes littorales. Et voilà, et Alors, on n'est pas du tout paré. d'abord pour rester au niveau des barrages, Sven Benagila, des barrages qui sont envasés, pourquoi on ne les dévase pas? Qu'est-ce qui empêche de les dévaser? Le plus souvent, c'est une histoire de coût. Mais il peut. Premièrement, on est en train de plus en plus en train de revenir sur les gros barrages, là, sur le plan environnemental, sur un tas de choses. On voit que ça passe plus maintenant. C'est une période où les politiques poussaient à ça. Maintenant, on se rend compte que techniquement, ça fait trop de dégâts. D'une part. D'autre part, il y a des barrages, quand ils sont petits, on arrive. Justement, l'envasement des barrages sert à fertiliser les sols. Les gens font du dévasement. Mais quand c'est des barrages trop gros, ça, c'est une question de prix. C'est clair, ça revient trop cher. Et de toute façon, par rapport à toutes les crises, quelles qu'elles soient, l'homme moderne n'a pu les surpasser que s'il y avait énergie, de l'énergie. Et dans tous les cas, ça demande énormément d'énergie. Oui, Je mais sais pas Sven si. Benagila, je vais vous donner un exemple tout simple. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est à peu près le même climat, même relief. Dans ces deux pays voisins, il y a des barrages, mais qui ne sont pas envasés. Et d'abord, ils font tout pour qu'ils ne soient pas envasés. Quand ils sont envasés, ils les dévasent. Et ce n'est pas aussi systématique, alors qu'en Algérie, presque tous les barrages sont envasés. C'est Tous incroyable. les barrages, parfois on est obligé de rejeter de l'eau. C'est des quantités énormes qu'on rejette parce que les barrages risquent d'exploser, etc. C'est qu'il n'y a pas, il y a pas de. Premièrement, vous savez, en Tunisie, il pleut qu'à 30 km cubes. Sur les 30 km cubes, il y en a 27 qui sont quasiment emmagasinés. Nous, sur le plan capter l'eau pluviale, etc., on capte quasiment rien du tout. C'est de l'ordre du 2% ou un truc comme ça. 2% et tout le reste, c'est une déperdition, c'est de l'eau qui s'en va. C'est de l'eau qui s'en va, c'est de l'eau qui s'évapore, c'est de l'eau qui va faire remplir les septas, etc. Par rapport à ça, il y a rien qui. Y a pas, si tu veux, c'est pas qu'il y a rien, il n'y a rien de significatif qui est en train de se faire, quoi. Parce Restez avec que. nous, Sien Benagila, je reviens à vous dans un moment pour continuer de parler. J'aimerais que nous parlions un peu de cette histoire aussi de rabattement des nappes phréatiques, des nappes qui servent pour beaucoup de villes, généralement pour l'eau potable, justement. Je reviens à vous dans un moment et j'accueille Abdelaziz Chambi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, Abdelaziz Chambi, d'abord, bonnes vacances en Tunisie, où vous vous trouvez en ce moment? Malheureusement, elles sont gâchées par l'actualité en France que j'arrive, dont je n'arrive pas à me détacher parce que voilà, je suis l'actualité et les vacances sont malheureusement gâchées. Mais ça devrait, vous devriez vous réjouir puisque le Conseil d'État vient de prendre une décision pour annuler justement ces arrêtés qui interdisent le port du Burkini. C'est une fausse joie. Je dis toujours, nous sommes en sursis jusqu'à la prochaine agression, jusqu'à la prochaine polémique qui va surgir et qui ne va pas manquer de surgir, puisque les élections présidentielles de 2007 vont être axées autour de la question identitaire, comme l'a dit M. Manuel Valls, entre autres. Et sans parler de M. Sarkozy, sans parler d'un certain nombre d'élus, je ne parle même pas du FN, qui ont fait sa carte de visite. C'est l'anti-islam, l'anti-maghrébin, l'anti-arabe par excellence. Mais que la classe politique traditionnelle, c'est-à-dire la droite et la gauche, décide de faire de la question identitaire la question principale des élections présidentielles, en dit long sur ce qui attend les musulmans en France. Et musulmans, d'ailleurs, que j'appelle à ne pas trop se réjouir, parce que c'est ubuesque arriver à mobiliser la plus haute instance de l'État, la plus instance judiciaire de l'État, pour un phénomène aussi ridicule que le Burkini,
Je ne sais pas comment ils vont faire quand il va y avoir du triathlon ou quand il va y avoir une équipe de plongeurs sous-marins qui va arriver ou une équipe de surfeurs comment s'appelle, à Béziers, comment s'appelle, à la frontière espagnole où il y a beaucoup de surfeurs donc, ou à la côte atlantique. Donc, c'est ridicule. Et moi, personnellement, c'est pas que je suis satisfait, c'est qu'on est dans une angoisse permanente en France et on attend le prochain coup qui va arriver. Donc, moi, je. Abdelaziz Chiambi, je crois que vous avez raison, quelque part, puisque déjà, il y a des communes qui refusent donc de se soumettre à cette décision du Conseil d'État français. Cisco, par exemple, en Corse, dont le maire se dit non concerné, et il dit que je continuerai à appliquer l'arrêté. Vous faites bien de parler de Cisco. La Corse, c'est un échantillon, c'est un laboratoire de ce qui attend les musulmans. Déjà, les Corses, avec tout le courant nationaliste, avec un courant un peu violent, etc., ont déjà une expérience, ont déjà comment dirais-je, une réputation qui n'a rien à envier au Front National. Mais qu'un maire, soi-disant, Mais élu vous ne de la pouvez pas République. dire ça de tous les Corses. Non, pas Je tous les Corses, présume mais que... actuellement, en tout cas, on a eu des appels au meurtre, on a eu des manifestations, Oui, on a ce eu sont des des extrémistes comme il y complicités. en a partout. Non, mais bien sûr, non, je ne suis pas en train de généraliser, bien évidemment. Mais actuellement, même la classe politique qui se dit avant-gardiste, autonomiste, etc., soutient des criminels, soutient des gens qui ont agressé des familles maghrébines, qui ont brûlé leurs véhicules, qui les ont fracassés, et dont la justice garde les coupables en prison, enfin les victimes en prison, et laisse les coupables sortir. À cet D'ailleurs. effet, Abdelaziz Chiambi, j'aimerais signaler que l'un des gens qui ont été blessés, des musulmans de Corse qui ont été blessés, qui a été évacué par hélicoptère vers un hôpital, dit avoir été battu à l'hôpital même quand il était sur une civière. Je vous Tout laisse à fait, il a poursuivre. dit qu'elle a été violentée, et on a craché dessus, et il a même quitté la Corse, il ne veut plus retourner en Corse. Absolument. Alors, Oui, c'est. c'est ça le modèle aujourd'hui que la classe politique est en train de nous concocter dans les petits coins, là, en disant, en gros, les musulmans, soit vous vous assimilez, soit vous devenez transparent, vous devenez discret, comme dit Monsieur Chevènement, qui nous annonce lui aussi la couleur. C'est-à-dire, il voudrait peut-être qu'on se blanchisse aussi, qu'on s'appelle Jean-Jacques et Martine, parce que le prochain programme, je l'annonce, moi, en français, aux musulmans de France, c'est effectivement l'histoire du sacrifice avec l'Aïd qui va arriver. On va encore nous sortir des polémiques en disant le bien-être des animaux. On va nous sortir bientôt la circoncision, qui est une violence extraordinaire sur les enfants, les pauvres victimes, avec ces parents sanguinaires, barbares, qui aiment le sang, qui aiment découper, qui aiment couper. Donc moi, je dis aux musulmans de France, arrêtez d'espérer de prendre des vessies pour les lanternes, excusez-moi le terme. Devenez réaliste, prenez vos responsabilités politiques. Aujourd'hui, la question de la lutte contre l'islamophobie, contre le racisme d'État, elle s'organise par l'engagement politique. Elle ne s'organise pas par on va donner une cotisation à CRI ou telle organisation parce qu'on a peur. Aujourd'hui, moi, je vois une peur permanente des musulmans de France et ils sont prêts à s'accrocher à la première branche qui passe. Mais, Moi, je n'ai pas. Pardon, Abdelaziz juste. Chiambi, Non. Vous pensez vraiment, il y a de plus en plus d'observateurs, pas seulement musulmans, hein, y compris français de souche, comme on dit aujourd'hui, qui pensent qu'il va bientôt y avoir un passage à l'acte, que le fascisme va s'exprimer de façon ouverte, que des musulmans vont être agressés en pleine rue, sur la voie publique, que. Mais Il y en a même malheureusement, qui c'est parlent de déjà guerre le cas. civile, à la limite, puisque la plupart des musulmans qui vivent en France sont des Français. Et Monsieur vous y Jeannot, croyez, vous? la situation, malheureusement, on le vit déjà depuis longtemps. La coordination contre le racisme et l'islamophobie, on a recensé des dizaines d'agressions physiques, que ce soit sur les biens, que ce soit sur les personnes, que ce soit sur les lieux de culte, que ce soit sur des femmes innocentes, sur des personnes âgées. Il existe ces cas-là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une sorte de feu vert attribué par la classe politique pour mettre à la vindicte populaire les musulmanes, en tout cas les signes de visibilité musulmane, que ce soit les barbes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le burkini, mais on est passé au voile. Les policiers à Nice qui ont dévoilé la dame, ce n'était pas un burkini. Alors aujourd'hui, et bientôt, ça va être la barbe, le khamis, bien évidemment. Donc aujourd'hui, il y a une tension exacerbée, il y a une volonté assimilationniste néocoloniale qui rappelle les mauvaises périodes où effectivement, on tenait à tout prix à franciser coûte que coûte, alors qu'ils sont français, pour moi, les citoyens français de confession musulmane. Qu'est-ce qu'on veut de plus de ces gens-là?
qu'on enlève leur prénom, comme le veut Marine Le Pen. C'est-à-dire, moi, j'annonce, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je dis, attendez-vous les musulmans, à ce que vous empêche de prier, à ce que vous empêche de garder vos prénoms, à ce que vous empêche de pratiquer votre culte et la religion musulmane comme vous l'entendez, parce que la nomination de M. Jean-Pierre Chevènement, ami des dictateurs des pays arabes, est de très mauvais augure. Celui qui nous a traités de sauvageons, alors qu'on demandait le respect, la liberté, l'égalité de traitement et l'égalité de droit, nous a traités de sauvageons. Moi, je n'attends rien de bon de ces gens politiques, si ce n'est qu'il faut une réaction impérative des musulmans de France. Moi, je lance un appel à travers votre chaîne. On l'a lancé sur notre site, sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de 150 000 cartes d'électeurs. Les musulmans de France, soyez responsables. Prenez une carte d'électeur, envoyez-nous la photocopie et on verra après avec ça si les hommes politiques vont continuer à faire de la surenchère sur notre dos. On ne va pas être les moutons de le bouc émissaire de la campagne électorale. Nous devons devenir des acteurs et ne pas réagir par l'émotionnel. Parce que c'est en permanence qu'il y a des campagnes orchestrées contre les musulmans pour les pousser à bout. L'objectif, c'est quoi? C'est de radicaliser le maximum de musulmans pour servir Daesh et pour servir les populistes et l'extrême droite de Chine. Mais Abdelaziz Chambi, est-ce que vous ne pensez pas, comme le pensent beaucoup de Français blancs d'ailleurs, ils le disent, ils disent, nous, on n'est pas racistes foncièrement, mais nous craignons pour la dégradation de notre cadre de vie, nous ne reconnaissons plus la France. Il y a des abayas partout, il y a des hijabs partout, il y a des gens qui prient dans la rue, alors qu'ils peuvent très bien, même s'ils n'ont pas de mosquée, ils peuvent très bien prier chez eux. On ne peut pas nier un fait sociologique évident, qui est que les musulmans sont de plus en plus nombreux en France. Il y a un taux de natalité important, il y a des regroupements familiaux, il y a une extension du nombre de musulmans naturel dû au taux de natalité de la population, mais ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Nous, on n'est pas venus de Mars, on n'est pas venus de la planète Mars, on est venus parce que la France a eu besoin de nos parents pour construire le pays pendant les 30 glorieuses. Après, elle a eu besoin de nos compétences, nous, les enfants de l'immigration de la deuxième génération, même si elle nous a traités comme des chiens. Aujourd'hui, elle a les troisième et quatrième générations qui sont en partie une élite, dont a besoin la France pour pouvoir concurrencer les autres nations et pouvoir se targuer d'avoir un niveau de développement, etc., etc. Donc, elle prend ses responsabilités. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités et faire en sorte que l'opinion publique soit éduquée. Il y a un travail pédagogique à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez à la télévision, par exemple, un film comme Rissal, ça fait des dizaines d'années qu'on demande sa diffusion en France. Pour expliquer quoi? Pour expliquer que l'islam n'est pas violent. L'islam est venu pour établir une certaine paix, un certain équilibre, une certaine justice sociale, etc. Mais justement, Abdelaziz Chambi, justement, vous y venez tout naturellement, j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas un cas d'islamophobie, selon le sens littéral du terme? Est-ce que ce n'est pas plus de la peur de l'islam, islamophobie, que de la haine de l'islam? Pourquoi ne pas essayer de rassurer justement les Français La coordination contre le racisme et l'islamophobie, on a en tout cas affiné notre plan d'action en disant l'islamophobie, le racisme, ça se combat juridiquement, politiquement, médiatiquement et pour parler arabe, da'watiquement. Nous, on a dit pédagogiquement. Ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie. Lorsqu'on a fait, pour la journée du 8 mars, distribution de roses avec un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec un verset du Coran, et pour parler avec les non-musulmans, disant, regardez la place qu'accorde l'islam à la femme, eh bien, on a eu des dizaines de gens qui ont embrassé les jeunes filles qui leur ont donné la rose, qui nous ont remercié d'avoir expliqué ce que c'était que la place de l'islam. Donc, il y a un travail pédagogique énorme, mais on ne peut pas se substituer au travail des pouvoirs publics. Le ministère de l'Éducation nationale, les médias, les journalistes, les intellectuels, c'est à eux de faire ce travail-là, à moins que, comme vous le faites vous, et je vous en remercie, vous nous donnez tribune. Donnez-nous la possibilité d'expliquer ce qu'est l'islam, c'est ce que je fais d'ailleurs par ailleurs. Moi, je dois retourner en France pour intervenir auprès du CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, sur ce qu'est l'islam de France. Et comme je suis un acteur depuis une quarantaine d'années de ces réalités-là, je vais donner un point de vue pour expliquer ce qu'est l'islam et dire non, ce n'est pas ce qu'on est en train de nous montrer en permanence à la télévision, ce n'est pas ce qu'est en train de nous montrer Daesh, ce n'est pas les phénomènes de violence qui sont expliqués par le nouvel impérialisme par les guerres coloniales et qui ne sont pas dues au fait que les musulmans sont intrinsèquement violents ou sont génétiquement violents.
on sait très bien que ce n'est pas vrai, et qu'il y a une extrême droite aujourd'hui, qu'il y a des racistes et des islamophobes qui surfent sur l'idée que l'islam est... Justement, nous allons y venir quand je reviendrai à vous pour vous poser la question de savoir s'il y a des milieux qui agitent ces peurs de façon délibérée, qui se servent des médias, qui se servent de certaines tribunes, qui se servent des élections, et pourquoi, s'ils existent, et pourquoi font-ils cela. Faisal Mattaoui, merci d'être avec nous. Faisal ? Est-ce que Faisal Mattaoui est avec nous ? Faisal ? Oui, je l'ai. Ah, très bien. J'avais peur qu'on vous ait encore coupé le téléphone aujourd'hui. Je vous écoute, Jamal, bonsoir. Alors, Faisal, bonsoir. Le fameux scandale du parc Donia. D'abord, en quoi cela est-il nouveau? Il y a quelques jours seulement, un député du FLN, par ailleurs, Lias Saadi, a interpellé Sellel pour dénoncer la vente quasi systématique de tout le littoral algérois. Il a dit que toute la côte algéroise a été vendue, bétonnée. Des gens ont construit des cubes affreux en béton, y compris sur les plages, sur le sable. Donc, en quoi c'est nouveau cette histoire de Nouri qui dénonce donc le scandale de Donia Park? Disons, Donia Park, ça n'a pas de rapport avec le littoral, parce que Donia Park, c'est ce qu'on appelle le parc des grands vents, et qui est situé donc, à Alger. C'était, à l'époque, c'était en 2008-2007, l'idée était de doter Alger d'un parc citadin, de villégiature. C'est quelque chose de bien, parce que ça existe pratiquement dans toutes les grandes capitales du monde. Et à l'époque, l'accord a été signé, ou discussion a été engagée avec un groupe émirati, qui s'est engagé à faire beaucoup de choses, notamment construire 13 000 logements de standing, 500 chambres d'hôtel, un amphithéâtre de 5 000 places, un parking de 2000 des aires de jeu, des terrains de sport, des jardins botaniques, une forêt aménagée, etc., etc., et même un hôtel international. Le problème, probablement, n'est pas lié à ces projets qui étaient déjà signés, adoptés depuis 2008, hein, c'est-à-dire presque 8 ans ou 9 ans. Le problème, c'est avec les longs terrains, les décisions d'investissement, après les décisions d'investissement qui ont été distribuées ou données dans des conditions obscures. Et lorsque aujourd'hui le ministre du Tourisme, M. Abdelwahab Nouri, parle d'une décision illégale, c'est presque 100 hectares, c'est pas beaucoup par rapport aux 1060 hectares restants. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui a profité de ces décisions. Ils sont 96 décisions, hein. 96, et selon Nouri, c'est 40 de ces décisions, c'est des fast-food. Alors, sur les 96, il dit qu'il y a plus de 40 fast-food, seulement fast-food. Oui, parce que c'est une culture. Vous savez, Jamel, la culture du fast-food, elle est très, très présente en Algérie. Et on répond même pas parfois aux normes du fast-food lui-même, parce que le fast-food, il a aussi des règles, comme cela existe partout dans le monde. Donc, le fast-food, c'est-à-dire de la restauration rapide, parfois dans des conditions d'hygiène qui sont très discutables. Et donc, le ministre du Tourisme, probablement, devrait donner plus d'explications. Il a même pas parlé de l'ouverture d'une enquête. Parce que l'idée, puisqu'on parle de décisions illégales, et on parle de décisions qui ont été faites dans la totale obscurité ou dans l'absence de transparence, il faudrait peut-être aller vers une enquête judiciaire. Or, on ne sait pas s'il y a une enquête judiciaire sur cette affaire, puisque visiblement, c'est également une affaire de corruption, parce que les personnes qui ont bénéficié de ces décisions ont mépris de la loi, l'ont fait probablement en paiement de contre-paiement de pots de vin, etc. Ça peut être un grand scandale. Si la justice algérienne se mêle, si le Parlement algérien se mêle, et si les gouvernements s'en mêlent pour donner des explications. Nouri, en fait, il n'a nommé personne, mais à votre avis, il parle de qui? Qui sont les principaux responsables de ce massacre, de ce scandale? Moi, je pense, Nouri a été politique dans ses déclarations, puisqu'il n'a pas voulu nommer, il a parlé de distribution de manière clandestine, quand même, hein, quand des décisions donc, appelées d'investissement sans aucun plan d'aménagement et de lotissement pour l'implantation de produits suspects. Alors pourquoi le gouvernement a accepté cela à l'époque? Il me semble qu'il parle d'un ministre qui était à l'époque. Il faut chercher qui était ministre de l'aménagement du territoire. En 2008 ou en 2009, je ne sais pas s'il s'agit de Rahmani, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il y a un autre ministre, mais il faudrait que... Et là, c'est un peu au rôle du Premier ministre.
le Premier ministre a décidé d'ouvrir l'enquête. Parce que l'habitude en Algérie, c'est que parfois des chefs du gouvernement et même des membres du gouvernement dénoncent des affaires qui sont très graves pour qui portent atteinte aux dépenses publiques, à l'argent public, etc. Mais la justice ne suit pas. Or, le procureur est censé être défenseur de la société. C'est lui qui agit l'action publique pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et à chaque fois, quand il y a une affaire de corruption, affaire de détournement d'argent, affaire de décision d'investissement illégal, etc., la justice reste muette. C'est assez curieux. Il vient pour le Parlement qui ne bouge pas, qui ne demande pas de commission d'enquête, qui ne cherche pas. Vous savez jamais actuellement notre scandale, c'est celui des Jeux Olympiques, où on sait qu'il y a de l'argent qui a été dépensé, presque 3 millions d'euros, et vous avez vu les résultats de l'Algérie dans ces Jeux. Alors on parle de scandale, or personne ne pense à faire agir la justice ou à demander des craintes à ceux qui étaient à Rio, etc. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur le fonctionnement de la justice, sur le fonctionnement également du gouvernement algérien lorsqu'il s'agit de défendre les données publiques. Selon plusieurs confrères qui en parlent en aparté, puisqu'il ne peut pas le dire, puisque Nori lui-même ne l'a pas dit, il semblerait que parmi ceux qu'il montre du doigt, il y aurait le fameux Roul, son prédécesseur, ministre du Tourisme, qui est aujourd'hui sénateur. Comment expliquez-vous qu'un Nori qui est proche du clan Bouteflika s'attaque à un Roul qui est proche du clan Bouteflika? Ça ne vous semble pas un peu insolite? Non, je ne crois pas que ce soit à ce niveau-là, que ce soit à niveau de clan ou de ligue de clan, etc. Probablement que Nouri, qui n'a pas toujours fait ses preuves en matière de gestion dans le dossier du tourisme, puisque le dossier du tourisme est en train de monter à la surface pour devenir un dossier prioritaire pour l'économie algérienne, du moins dans les années futures, est en train d'essayer de s'imposer sur la scène publique comme quelqu'un qui va assainir le domaine, comme quelqu'un qui veut faire le nettoyage dans le secteur, parce que parallèlement à cette décision de donner à part, il a également donné l'ordre pour enquêter sur les 14 villes côtières, sur ce qu'on appelle les zones d'expansion touristique. Et là, c'est un autre scandale, parce qu'il y a des milliers et des milliers d'hectares qui ont été attribués à des personnes qui n'ont jamais investi des projets. Vous savez qu'il y a un immense, l'Algérie souffre d'un manque terrible d'infrastructures touristiques par rapport à ces pays voisins comme la Tunisie et le Maroc. Et cette enquête qui va être entamée à partir du mois de septembre va révéler d'autres choses, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Les wilayas, par certaines wilayas, sont complices de ce qu'ils ont laissé faire. La wilaya de Kipaza, par exemple, ou d'autres, la wilaya de Bijel ou de Skigda, il y a eu des projets qui ont été décidés en 2011, 2010, 2009, et qui n'ont jamais été suivis. Parce qu'il y a eu des bureaucraties, parce qu'également, il faut parler aussi de la bureaucratie qui bloque les projets, notamment touristiques, pas seulement dans les zones côtières, mais également dans le sud. Ça, c'est un autre débat. Et donc, je crois que c'est plutôt lié à la gestion de ce dossier, qui est aussi un dossier important, le dossier du tourisme, que à des clans, puisque le rôle, Amar Roul, qui, comme vous l'avez souligné, devenu sénateur, a d'autres dossiers qui traînent et qui restent toujours entourés d'une certaine opacité également. Mais Faisal, pourquoi en Algérie, quand on traite du dossier du tourisme, on parle tant comme si c'était un département étanche, alors que rien d'autre que le tourisme n'est aussi impliqué par tous les autres secteurs? On ne peut pas relancer le tourisme dans un pays comme l'Algérie où tout va mal, parce que le tourisme, c'est les taxis, c'est les aéroports, c'est les hôtels, c'est l'eau, c'est la sécurité, c'est le civisme, c'est la restauration, c'est la propreté publique. Alors que les responsables qui ont à la charge de ce département, on parle comme s'ils parlaient d'un département totalement étanche qui ne dépend pas du reste. Parce que tout simplement, il n'y a pas de ce qu'on appelle la question touristique. Jamel, vous le savez parfaitement, l'Algérie doit sortir de l'âge pétrolier. C'est-à-dire qu'on doit passer à un niveau où on considère, pas uniquement le tourisme, vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture, parce que l'agriculture est également un dossier qui doit être plutôt un secteur qui doit devenir prioritaire, parce qu'il s'agit de la facture alimentaire, il s'agit de la sécurité alimentaire de l'Algérie. L'Algérie est un pays semi-aride, l'Algérie qui souffre de sécheresse, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec votre premier invité. L'Algérie maintenant voit la chute de sa production de céréalière de 40%, c'est pour la dernière saison. Donc l'Algérie doit considérer l'agriculture et le tourisme comme des secteurs prioritaires. Il faut sortir de l'idée qu'on peut avoir une industrie qui pourra être concurrentielle, compétitive à l'échelle
sous-régionale, c'est-à-dire africaine ou à l'échelle internationale, dans la zone méditerranée, on aura pu trop penser que l'agriculture et le tourisme sont des secteurs prioritaires. Le Maroc, un pays voisin, a compris parfaitement cette problématique. Idem pour la Tunisie, même pour des autres pays comme la Jordanie, en Moyen-Orient et même l'Égypte. En Algérie, le tourisme, vous l'avez bien dit, est vu comme un secteur de plus, un secteur qui n'est pas prioritaire. Parce que, après tout, le tourisme commence par l'accueil au niveau de l'avion, c'est-à-dire avant d'arriver sur le territoire. Quand vous avez des hôtesses d'ici, bien sûr, je ne peux pas généraliser qui ont oublié le sourire dans les vestiaires, ça vous donne une mauvaise idée. Quand vous arrivez à l'aéroport déjà, vous avez des files d'attente qui s'organisent au niveau de l'aéroport avec des guichets où il y a trois. Sur 10 guichets, vous avez 3 policiers qui travaillent, il faut attendre beaucoup, puis après passer par le contrôle douanier, puis etc. Et quand vous sortez de l'aéroport, vous ne trouvez même pas de taxi. Et quand vous retrouvez un taxi, c'est l'embouteillage. Et quand vous arrivez à l'hôtel, si vous trouvez une place, vous avez un mauvais accueil, vous avez de l'eau parfois qui ne fonctionne pas, ben vous avez, etc., etc. C'est une chaîne, vous avez raison de même, c'est une chaîne. Comment elle est liée au transport, elle est liée à l'accueil, elle est liée à l'hôtellerie, elle est liée à la restauration, parce qu'Alger, pour le citer, que la capitale ferme à 19h, quand vous sortez à 20h, probablement vous ne trouverez pas de restaurant, et quand vous venez de l'étranger, ça vous choque. Parce qu'on a rencontré beaucoup d'amis qui viennent d'Europe et d'Amérique et même d'Asie qui nous font toujours la même remarque. Pourquoi vos villes ferment si tôt et pourquoi il n'y a pas de service de qualité? La dernière fois, il y a eu une touriste tunisienne qui a fait une déclaration à la radio algérienne et qui dit « J'ai constaté qu'en Algérie, on ne vous dit ni bonjour, ni au revoir, ni merci ». Ça, c'est un autre problème, c'est un problème de civil, c'est un problème lié au comportement à l'autre, de la vue qu'on a de l'autre. Parce que la personne qui m'a présidé à parler d'islamophobie en France, d'une forme d'islamophobie par rapport au Burkini, il faut aussi parler de notre comportement en tant que musulman algérien par rapport à d'autres pays, d'autres personnes qui viennent d'autres contrées, d'autres religions, d'autres cultures. Tout ça, en fait, doit être revu. C'est probablement, on ne l'étudie pas à l'université, mais c'est quelque chose qui doit devenir prioritaire pour le gouvernement parce que le tourisme doit être devenir une priorité pour le pays. Nous n'avons pas d'autre solution. Le pétrole, presque terminé, le gaz est bientôt terminé, et donc il reste en Algérie deux solutions, ou l'agriculture ou le tourisme. Si on continue à comporter avec ce secteur de cette manière, comme un sous-secteur, c'est ça qui n'est pas important, un jour ou l'autre, on va revenir à l'endettement extérieur, et on va revenir à une économie qui va être dépendante de l'extérieur. Je reviens à vous dans un moment, Faisal, pour vous demander de nous parler de ce que vous pensez de l'affaire du Burkini en France. Et je reviens à Sofiane Benagila. Sofiane Benagila. Oui, je suis avec vous. Alors, d'abord, j'aimerais que vous nous parliez d'abord de cette histoire de rabattement des nappes phréatiques, ce que ça veut dire. Et ensuite, nous aborderons le problème de la production de céréales qui semble être revue à la baisse par rapport aux prévisions. Mais d'abord, le rabattement des nappes phréatiques. Moi, je voudrais, c'est pas uniquement une question de rabattement des nappes, c'est une question de perte de capacités biophysiques du pays. Là, je sais pas si vous arrivez à voir ce graphe sur l'écran là. Non, on ne voit rien. Vous voyez pas de graphe? Non, malheureusement. Et là? Ah, oui, nous voyons, oui. Bon. Alors, vous voyez que en bas, c'est la courbe jaune, c'est les exportations nettes de l'Algérie. D'accord. Et on voit qu'à partir à peu près en 70, on commence à être en négatif, c'est-à-dire on commence à être importateur. Ce qui est important là pour nous, c'est la courbe verte là, celle-là. C'est la biocapacité de l'Algérie, c'est-à-dire la capacité du pays à nous faire vivre. Et cette biocapacité, on la voit comment elle est en train de chuter. Tout le potentiel du pays qui est en train de chuter. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que on a augmenté, la population s'est multipliée par 4. Nos besoins, l'Algérien de 1962 ne vit pas comme l'Algérien de 2015 ou 2016. Donc nos besoins ont explosé et on n'a rien fait ou augmenter les capacités biophysiques d'une façon générale, que ce soit hydrique, ce qu'on veut, pour maintenir cette biocapacité. Bon, il y a des pays qui ont fait un choix, c'est un choix politique, vous avez la Corée, etc., ou des pays qui n'ont pas le choix, comme le Japon, mais qui assurent quand même, qui arrivent à assurer leur sécurité alimentaire, ils sont quasiment autonomes en riz, les Japonais,
ou la Corée du Sud, qui a préféré, en bousillant son environnement, elle loue des terres en URSS et un peu partout pour compenser. Nous, on a bousillé notre potentiel, nos capacités biophysiques, et on n'a rien remplacé. On n'a rien remplacé. C'est-à-dire qu'on est en perte sèche et vous voyez la courbe. Oui, là. Oui, là on voit, oui. Et on rentre, donc on est en déficit à peu près à peu près. Ça correspond à la nationalisation du pétrole en fait. Et on commence à avoir une empreinte écologique à partir de 75. On commence à déconner réellement. Et ça, c'est-à-dire pour faire face à n'importe quel problème, c'est comment faire face à n'importe quel problème. Et c'est des problèmes qui sont inscrits dans la... C'est pas une conjoncture, hein. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est comme ça, que ça part en dérive. Donc il y a toutes les mesures d'accompagnement. Il n'y a pas que les... Il y a l'électricité, il y a tout ce qui accompagne en amont et en aval l'agriculture. Et en matière de céréales, récolte... Ce que je voulais dire et ce qui est grave, ce que je voulais dire et je pense ce qui est grave, et ça a été, je pense que Bensaoud l'avait redit à la réunion du FCE, là, c'est que ce n'est pas la peine de copier des modèles agricoles occidentaux, etc., type Almeria, comme ils ont été etc., à Almeria, et nous reproduire des schémas catastrophiques qui vont être catastrophiques et qu'on va payer, Ouergla, Adrar et Ouetsouf, et irréversibles, c'est ça surtout. Et pour un gain, moi je ne comprends pas un pays qui parle de manque d'eau et qui subventionne de l'électricité pour qu'on produise de la pastèque par exemple, pour produire de l'eau. Il n'y a aucun cahier de charge auquel est tenu l'agriculteur, on n'a aucun moyen de contrôler ce qui est produit. Moi j'ai été producteur, on peut faire louer, acheter, vendre et tout, on n'est même pas contre rien, il n'y a personne qui s'en rend compte. C'est tout ça qui a été perdu et c'est pas évident de remonter, hein. C'est pas du tout évident. Alors et, au sujet de la prochaine récolte céréalière. Alors la prochaine récolte pour les céréales, c'est rigolo parce que TSA, il y a une semaine, ils annoncent une sécheresse qui date de sécheresse qu'on n'a pas vue depuis 50 ans avec chute de rendement de 40%, etc. Et aujourd'hui, l'Ouattan est dit que la production elle est la même que celle que l'an dernier. Donc, on ne sait plus. Alors, si cette année, il n'a pas fait sec, on ne s'explique pas. Et 3,5 millions de l'an dernier. Ce serait un faux chiffre, de fausses prévisions C'est inexpliqué. Moi, je ne comprends pas et je ne vois pas comment. De toute façon, je sais que. Les chiffres sont donnés de façon tout à fait aléatoire et on le sait tous. Et donc, c'est très difficile de dire on a produit tant et tant, peut-être un peu en céréales, mais tout le reste, c'est vraiment approximatif. Hein. Un mot sur l'affaire du Burkini en France ? Moi, je trouve que c'est quand même rigolo d'utiliser un truc comme ça, alors que bon, c'est vraiment de la manipulation à grande échelle, parce que la France vit des problèmes beaucoup plus graves que ceux du Burkini, et de toute façon, elle n'a pas les moyens d'y faire face. Et on a remarqué comment ils ont fait passer la loi du travail juste après l'attentat de Nice. Là, c'est à chaque fois on détourne, on trouve des dérivatifs aux problèmes réels, fondamentaux du pays. Les gens attendent qu'on parle de ce qui est réel. Mais bon, pour le reste, on sait que, et d'ailleurs, ils ne le cachent pas, les responsables politiques français sont totalement asservis au sionisme, etc., etc. Donc, c'était prévisible, quoi. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Soufiane Benagila. Je reviens à Abdelaziz Chahenbi. Je vous demandais tout à l'heure, qui agite selon vous ces peurs? Qui est en train
de mettre en place une sorte... Je ne voudrais pas être genre complotiste, hein, mais on a l'impression qu'il se prépare quelque chose de délibéré, de savamment orchestré, des marionnettistes très savants qui sont en train de tirer des ficelles. Vous n'avez pas cette impression? Ben bien sûr, bien sûr. Et c'est en lien avec le passé colonial de la France. Je crois que les cérémonies de dévoilement dans les années 50 en Algérie n'ont rien à envier à ce qu'on vit actuellement. C'est un continuum colonial. C'est une façon de dire aux musulmans, si vous voulez non plus être sujet comme à l'époque d'Algérie française, si vous voulez devenir citoyen, bientôt il va peut-être falloir s'incliner devant la statue de Marianne et non plus devant... en direction de la Mecque pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une sorte d'assimilation, d'injonction. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Non, je n'exagère pas, je vous assure, je suis conscient d'un certain nombre de lobbies. Aujourd'hui, mon prédécesseur a parlé des sionistes. Oui, effectivement, les sionistes sont très puissants en France. Ils criminalisent les musulmans qui résistent à l'oppression ici et ailleurs, en Palestine et ailleurs. En France, il y a cette volonté de criminaliser les gens qui veulent rester intègres. Je suis bien placé pour vous le dire, j'ai quitté la France, j'étais arrêté. J'ai une fiche S, alors que je suis militant depuis près de 40 ans, plus de 40 ans maintenant, et je n'ai jamais eu quelques problèmes que ce soit avec la violence ou avec le radicalisme, le terrorisme. C'est une volonté de museler les musulmans qui osent parler. Aujourd'hui, on nous sort même des imams, des mouftis, entre guillemets, qui sont en train de remettre en cause des notions fondamentales dans l'islam, dans le Coran. Donc ça, on voit bien vers quoi on se destine. On se dit Abdelaziz Chambi, les sionistes ou les lobbies sionistes dont vous parlez, dont nous savons qu'ils sont très intelligents, qu'ils ne font pas n'importe quoi, vous pensez que ce sont des gens qui ne font pas de calculs, qui ne savent pas que ce genre de manipulation pourrait se retourner demain contre les Juifs? Malheureusement, ça rend un peu crédible cette théorie du complot. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Juifs sont intouchables et c'est à leur honneur, je dirais, que la République ne les touche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont su s'organiser, ils ont su se défendre, ils ont pu défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, il y a des piscines qui sont réservées aux enfants Lubavitch. Il y a des piscines en région parisienne, à Sarcelles, ailleurs, qui sont réservées aux femmes juives. Il y a des créneaux horaires qui sont réservés aux femmes et personne n'ose toucher cette question-là. Et entre autres choses, bien sûr, il y a même des élections d'examen les jours où il y a le Yom Kippour, etc. Donc, moi, je dis, c'est tant mieux pour cette communauté, entre guillemets, si on peut parler de communauté. Mais je dis, les manipulateurs, les apprentis sorciers font leurs calculs. Ils se disent, aujourd'hui, qui vote plus que les musulmans? Les racistes. Nous avions interpellé les Verts de France, l'Europe Écologie Les Verts, au plus haut niveau. Il y avait eu 70 000 mails qui avaient circulé pour les obliger à se positionner sur une élue maghrébine, d'ailleurs, qui avait interdit à une femme de se marier avec son foulard. Et ils ne se sont pas positionnés, et en coulisses, nous avons appris que c'était parce que parmi eux, il y avait des islamophobes, et qu'ils étaient assez nombreux pour faire la différence sur le plan électoral, mais que les musulmans ne pouvaient pas compenser cette perte-là. Et les politiciens, les médias, les hommes politiques, les intellectuels font tous le même calcul. Quand vous avez... Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison, Abdelaziz Chambi, de faire ces calculs? À partir du moment où vous n'avez pas sa capacité de vous organiser. La politique, c'est quelque chose qui n'a pas d'état d'âme, hein, qui est réaliste, qui tient compte du terrain. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a créé un mouvement qui s'appelait Force Citoyenne Populaire pour essayer de fédérer justement les acteurs des quartiers, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, en une force politique capable de faire la différence. Parce qu'on est des millions à pouvoir voter aujourd'hui. On ne le fait pas. Faites un sondage aujourd'hui auprès des musulmans. Demandez-leur qui a la carte électorale. Qui l'a utilisé? Alors, bien sûr, ils prétendent que c'est tous les mêmes. Moi, je leur dis, votez non à l'islamophobie. Mettez un bulletin non à l'islamophobie et on va recenser le nombre de bulletins. Et comme ça, la classe politique comprendra le poids que la communauté musulmane en France elle a, si on peut parler de communauté. Donc, moi, je leur dis, au lieu de vous lamenter sur votre sort, au lieu de pleurer, d'attendre le prochain coup qui va tomber sur votre tête, devenez acteurs. Nous, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, nous lançons un appel à des bénévoles engagés, pas à des gens qui, par peur, vont donner 50 euros, 20 euros, 10 euros, mais des gens capables de donner de leur temps, de donner de leur énergie, de donner de leur volonté de changement vers plus de justice. Parce que si on ne passe pas par ça, si on n'a pas un réseau militant engagé dans toute la France et prêt à s'engager politiquement
même si la classe politique ne nous représente pas, les populistes de tous bords s'instrumentalisent, ben c'est à nous de faire de la politique. Restez nous avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Abdelaziz Chambi. Faisal Mottaoui, le mot de la fin vous revient. J'aimerais que vous nous parliez de cette histoire de Burkini en France. Oui, Jamel, moi je pense qu'il s'agit d'une polémique inventée de toutes pièces. Parce qu'ils sont combien ces femmes musulmanes françaises qui nagent vers le Burkini en France. C'est une ultra minorité, je vous dis la même chose que j'ai dit aux médias français. C'est une polémique inventée par la classe politique française, puisqu'elle dit directement aux élections présidentielles de 2017. Vous avez vu comment tous les candidats sont entrés sur la ligne, chacun dit ce qu'il pense, etc. Et même le Premier ministre, Manuel Valls, qui est plus à droite qu'à gauche, est allé même à contre-courant du Conseil d'État. C'est-à-dire, le Conseil d'État suspend, il n'a pas annulé, il a suspendu l'arrêté municipal portant interdiction de Burkini, parce que le Conseil d'État s'est appuyé sur les éléments de la loi en disant qu'il faut invoquer l'ordre public. Comment l'ordre public, comment une femme qui porte des Burkini porte atteinte à l'ordre public? C'est ridicule. Mais vous avez vu que le Premier ministre est allé à contre-courant. On pensait jusque-là que cette question de votre Premier ministre ou chef du gouvernement qui prend ses décisions du Conseil d'État, qui est une institution respectable en France, n'existait que dans les républiques bananières. Or, ça existe même en France. Et donc, c'est lié beaucoup donc, à cette question de l'islam en France, qui s'appelle l'islam en France, de le regard qu'on porte sur cette religion. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 millions de musulmans en France, et ces 5 millions sont également des électeurs. Si les musulmans de France voudraient changer les choses, il faudrait, comme la personne parlait avant moi, il faudrait agir sur le terrain politique, agir sur le terrain social, agir sur le terrain culturel, et oublier cette histoire de victimologie, d'être des cibles des milieux, de je ne sais quel milieu. Il faudrait agir au contraire, il faudrait débattre, il faudrait discuter. Et pourquoi pas aller ailleurs, puisque la pratique et la sagesse musulmane dit qu'il faudrait respecter les lois du pays où on se retrouve. Maintenant, s'il est interdit de l'agir avec le Burkini, en France, elle est en Espagne, en Italie, c'est pas interdit. Même au Canada, aux États-Unis, vous avez vu comment une haute responsable canadienne a dit, en répondant à la polémique française, que les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent. Et d'ailleurs, vous avez vu que même si la presse européenne, la presse espagnole, allemande, britannique, italienne, se sont moquées de la décision française d'interdire le Burkini. Donc il faut agir, peut-être jouer sur cette carte, surtout que le tourisme en France a été touché par le terrorisme, les actes terroristes de l'été et de l'hiver dernier. Et maintenant, s'il faut aller ailleurs, c'est-à-dire contribuer à faire fleurir les touristes des pays méditerranéens ou de la France, il faut le faire. Donc je pense qu'il faut sortir de cette l'idée de complot, etc. C'est plutôt une polémique à la française, puisque les Français sont devenus le maître en matière d'invention de polémique pour faire oublier l'essentiel, puisque l'économie française va mal, l'industrie française va mal, il y a des confusions politiques, il y a beaucoup de choses qui se jouent même à un niveau stratégique pour la France, la défense, la sécurité. Et donc, on invente ces polémiques pour faire oublier l'essentiel et aller vers d'autres dossiers plutôt superficiels. Merci Faisal Mattaoui, merci Abdelaziz Chanbi, merci Sofiane Benagila, merci à vous de nous avoir suivis, mes chers téléspectateurs. J'aimerais, avant de vous quitter, présenter toutes mes condoléances à notre rédacteur en chef, Athmane Sabek, qui vient de perdre sa sœur dans des conditions très pénibles. Nous présentons nos condoléances à toute la famille. Rabbi rahmahu wa salihah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.